Mesdames, vous pouvez tourner s'il vous plaît. Thank you.
Ah, salut ma belle. Bah écoute, moi je suis venue. Bon courage pour le travail. À plus. Bah moi je suis venue de l'extérieur. Hein, t'as vu, je veux pas rester nassée. C'est bon, on a tellement donné dans la nasse. Je suis venue quand même pour voir un peu comment ça allait se passer. Justement, bah comme d'habitude, ça change pas. Hein, toujours la même rengaine. Quand je pense qu'on les applaudit, tout le monde les applaudit et aujourd'hui on les laisse crever comme d'habitude. D'un autre côté, si je peux me permettre, moi c'est pas vraiment elles que je viens de soutenir. Hein. C'est on va dire un peu le combat qu'elles essayent de mener. Mais elles le mènent que pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je les entends dire qu'avec 1500 on peut pas vivre décemment, j'ai envie de leur dire, hé chérie, c'est tout le monde qui ne peut pas vivre avec décemment. Tu vois, le combat des Gilets jaunes, c'est ça la différence. C'est que nous, on se bat pour toutes les professions qui ne peuvent pas vivre décemment avec un salaire. Elles se battent pour leurs conditions de travail. Hein. Et par derrière, ils te disent bien aussi, pour aussi les patients. Non, avant tout, c'est ta condition de travail. Tu dis bien tes conditions de travail. Moi, je me bats pour toutes les conditions de travail, pas que les leurs. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Mais de l'extérieur. Oh, on est fauchés comme des blés. Ça devient catastrophique. Vous savez, ça va être de plus en plus dur. Il ne faut pas rêver. Il y aura énormément de licenciements, énormément de personnes qui seront à la rue. Mais personne ne veut bouger. Et le pire, c'est que quand on parle de ça, on dit toujours le français est feignant. Il n'est pas feignant, c'est que déjà il n'y a pas de travail. Et quand il en trouve, il est sous-payé. Il ne peut pas s'en sortir avec toutes les charges. C'est ça la réalité. Ouais, et pendant ce temps-là, on leur donne 1200 euros d'APL. Parce que c'est de l'APL. Leurs enveloppes pour le logement, pour se loger, c'est 1200 euros d'APL. D'accord? Ils avaient 900 euros, on leur a donné 300 euros de plus. Et c'est ça. Et c'est ça la réalité. Et les gens trouvent normal qu'on leur paye ça. Les gens trouvent normal qu'on leur donne 1200 euros d'APL quand ils touchent déjà des 10 000, des 15 000 euros avec tous les avantages. Et on vient cracher sur le pauvre RSA ou sur le chômeur. Mais c'est un truc de malade. Moi, je ne comprends pas cette mentalité, je ne comprends pas.
tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est que le problème, c'est qu'on a des. Toutes les professions souffrent. Tu vois, le problème, c'est vraiment ça. Le problème, c'est qu'on a toutes les professions qui souffrent. Il n'y a pas une profession qui ne souffre pas d'aujourd'hui. Toutes. Agriculteurs et tout ça. Mais le problème, c'est que les gens se battent pour leur profession. Ils ne se battent pas pour le travail commun de tout le monde. Alors que c'est ça le gilet jaune. Et le gilet jaune, dès le départ, ça a été ça. Et c'est là où je dis qu'on a été manipulé dès le départ. C'est qu'il faut. On nous a tout de suite mis dans une case apolitique. Alors que c'est faux. On fait 200% de politique. D'accord ? Et on essaye justement de nous récupérer par tous les côtés. Parce qu'ils savent très bien qu'on fait de la politique. Par contre, on est à partir. Et là aussi, j'en ai marre de ces gilets jaunes qui, parce qu'ils ont mis un gilet jaune, se disent gilets jaunes. Le gilet jaune, il est réellement un parti. Eux, ils se mettent un gilet et ils viennent avec leur putain de parti, en pensant que c'est leur parti qui est la solution. Aucun parti, ça fait 30 ans, on le saurait si un parti politique a été une solution. Le seul parti politique qu'on pourrait avoir, c'est le peuple. Parce que le peuple est aussi un parti politique. C'est 100% de politique, le peuple. Mais ça, les gens, on a fait en sorte de ne pas donner ce discours-là. Et là, et les gens ne le comprennent pas. Et c'est ça qui me désole. C'est qu'on est dans un combat et on ne comprend pas le combat. On ne comprend pas les règles du combat. Tu vois ce que je veux dire? Et on a fait en sorte, justement, de que les gilets jaunes ne puissent pas se structurer. D'accord? Et à côté de ça, on t'en balance des soi-disant leaders. On te balance des soi-disant... avec toi, parce que tu sais pourquoi ça marche pas pour l'instant, parce que la plupart qui veulent faire quelque chose, ce ne sont pas des vrais gilets jaunes. Le gilet jaune, c'est un état d'esprit. On était comme ça. Moi, mon discours là, je l'ai depuis que j'ai mes 22 ans, d'accord. À quel moment t'entends quelqu'un qui te dit, quand je vote un candidat, ma voix compte, quand je vote blanc, je l'ai dans le cul. Rien que ça, je l'ai compris à 22 ans qu'on n'était pas en démocratie, j'ai 54 ans. 70% de la population voterait blanc, qu'est-ce qui se passerait? Rien, puisqu'il n'est pas représentatif. Et personne n'en parle. Pourquoi? Parce que le vote blanc, c'est notre démocratie. C'est encore mieux que le RIC. Le vote blanc, c'est notre démocratie. C'est encore mieux que le RIC. Mais personne n'ose en parler. Que le quoi? Le vote blanc. Le vote blanc, oui, c'est encore mieux que... C'est que mieux que le RIC. C'est parce quoi, que le vote blanc, c'est notre démocratie. C'est RIC, notre démocratie. Le 70% de la population vote blanc au deuxième tour sur les deux raclures qu'on nous met. Ben, ça dégage. Et ça, c'est une réalité. Et personne... C'est pourquoi je peux te répondre. Parce que le vote blanc, il est plus ou moins déjà mis en place. Quand tu as 40% de la population qui ne va pas aux urnes par dégoût, c'est pas une façon de dire que je vote blanc. Tu vois ce que je veux dire? Tu as 40% de la population d'électeurs qui ne vont plus aux urnes parce qu'ils savent que c'était tous des raclures. Si c'est 40%, on leur donne le moyen de s'exprimer. Tu crois qu'ils n'iront pas aux urnes, ces abstentionnistes? Et c'est là aussi que je condamne les abstentionnistes. Au lieu de sortir dans la rue et de réclamer réellement les urnes, comme ça devrait, et se battre pour leur démocratie et se battre pour leur vote. Regarde la preuve, les municipales, on nous les a volées. Hein, dans certaines villes comme Édouard Philippe, élu au premier tour au Havre, j'y crois pas. C'est le bastion des gilets jaunes, j'y crois pas. Le mec ne pouvait pas... Pour l'instant, il n'a pas été élu au premier tour. Ah mais hein. Si, parce que... Mais... Si, il va être élu au second tour. Non, parce que justement... Sûr. Ah mais voilà, encore une fois, vous ne comprenez pas. Les second tours, c'est pour seulement 5000 communes. Le second tour, c'est pour 5000 communes. Celles qui font, d'accord. Donc, dans les 5000, oui, c'est ça qui m'énerve. Oui. Tu vois, les gens ne comprennent pas, la politique ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Et nous, on est là, on se bat, on se fait, voilà, nasser, verbaliser, pour que la population comprenne bien. C'est pas, normalement, c'est toutes les élections qui devraient être reprises, puisque la moitié n'ont pas été. D'ailleurs, c'est pour leur proxénète à leur gouvernement. Là, tu viens de prendre? Ce matin, 135. Ah, oui. On est là à l'office avec Stéphane, tout le monde, 5 fonctionnaires. C'est-à-dire que ce matin, on a été verbalisés par des fonctionnaires qui ont verbalisé des fonctionnaires, dont la plupart travaillent à la mairie de Paris. Ouais, ben voilà, où on en est. Voilà. Oh, Sonia. Ah oh, non. En plus, le PHP appartient à la mairie de Paris. Ah, à Brigitte Macron et à BlackRock alors. Parce que t'as vu que dans les hôpitaux de Paris, à la direction là, de soi-disant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vendent le mobilier, pour soi-disant renflouer les caisses de l'hôpital de Paris, donc les hôpitaux de Paris. Et vous savez que la marraine, donc la nouvelle directrice, c'est la Brigitte Macron, avec son pote de BlackRock. Est-ce que ça, vous savez que BlackRock est rentré dans les hôpitaux de Paris? Eh ben oui, les chéris, informez-vous. Arrêtez d'être des neuneux. Donc voilà, oui, BlackRock est dans les hôpitaux de Paris. Donc on vend notre patrimoine, du moins, notre patrimoine a été bradé. Maintenant on vend le mobilier français,
pour le refiler. BlackRock n'a pas eu assez avec les assurances, avec nos retraites, avec notre sécurité sociale. Maintenant, ils veulent aussi nos hôpitaux. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre, ne veulent pas l'entendre. Donc sachez que dans les hôpitaux de Paris, il y a BlackRock et Brigitte Bayrou. Thank you.
Ah là, voilà, c'est compliqué là.
Okay.